Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo rapide. Alors sachez que cette semaine il y aura moins de contenu que d'habitude parce que j'ai encore attrapé le Covid. Voilà, donc bon bah il reste que les formes au Omicron je crois, hein, donc c'est pas très grave. Ça s'apparente à une petite grippe, mais n'empêche que je suis à l'heure actuelle KO. Enfin, ceci dit, aujourd'hui, petite vidéo qui fait plaisir quand même, puisqu'on va déballer ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins que les goodies officiels qu'on peut commander directement sur le site de Nintendo lorsqu'on a des points platine. Voilà, en récompense des points platine, sachez que vous pouvez commander gratuitement, enfin là en l'occurrence j'ai payé que les frais de transport, des goodies Nintendo. Alors la plupart il faut bien l'avouer, sont pas géniaux, hein. Ça va du calendrier au porte-clés en passant par le chiffon de cuisine, mais il y en avait là pour le coup sur le site qui me faisait de l'œil et je vais vous les montrer tout de suite. Allez, c'est parti. J'ai juste du coup mis un coup de cutter pour ouvrir le carton et j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, ah voilà, premier item, c'est un tapis de souris Kirby qui franchement coûtait pas beaucoup de points. Alors en tant que tapis de souris, ça va peut-être être un petit peu petit. Par contre, ça fait une assez belle décoration murale si vous avez une gaming room ou même une chambre d'enfant, ça peut être sympathique. Mais le plus intéressant, ça va être là-dedans et vous imaginez ce que c'est, évidemment, des posters. Alors, il y avait des posters que je trouvais sympas. Et ce qui est cool, c'est qu'ils sont pas pliés, ils sont roulés. Et du coup, pas abîmé. Regardez-moi ça, des posters Game Boy Color avec Metroid 2. Il est magnifique. Et ils vont finir sous cadre, ils vont finir en déco de la gaming room, hein, très certainement. Donc il y a le Metroid 2. Essayez de le poser pour pas qu'il s'abîme. On va ici en dessous le Super Mario Land 2 de la Game Boy et encore en dessous, il en fallait un, bien évidemment qu'il en fallait un poster de Link's Awakening. Alors est-ce que c'est une illustration de la version DX ou de la version Game Boy normal, je ne sais pas. Ils sont tous les trois très 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 sympathiques, je trouve. Voilà. Donc il y a moyen que je décore un peu ma gaming room avec ces petits posters Game Boy. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Sachez que pour obtenir des points platine, c'est assez facile lorsque vous collectionnez des jeux physiques. Puisque si vous avez acheté un jeu physique qui date d'il y a moins de 2 ans, lorsque vous le lancez, vous pouvez appuyer sur Start, enfin sur le plus de votre Joy-Con, excusez-moi, pour aller dans les descriptions du jeu, et tout en bas, vous aurez obtenir des récompenses que vous pouvez lier à un compte, et si votre jeu est éligible, c'est-à-dire s'il est dans la région Europe et qu'il a moins de 2 ans, et bien vous allez obtenir des points platine. Voilà, il faut savoir que, évidemment, comme j'en ai eu plein, et d'ailleurs, il y a une date d'expiration, et il y en a plein que j'ai malheureusement pas utilisé et qui ont expiré avant que je puisse les acheter. Et comme là, ils allaient encore expirer, je me suis dit, c'est l'occasion, on va se faire plaisir, on va se prendre des petits posters, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Voilà, très vite, à bientôt.